Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente si tu me connais pas, je m'appelle Coco, je fais des vidéos de surf et un petit peu tout ce qui tourne autour, donc du skate, du skim et tout ça. Aujourd'hui je te présente la nouvelle board que je me suis shapé, un skimboard. Et on va aller tester tout ça et puis avant ça on va faire une session de surf. Allez c'est parti. Est-ce que tu me suis sur Insta? Non, parce que si tu me suivais sur Insta, tu aurais vu en avant-première que j'avais fini de me shaper une nouvelle board. J'ai fait un skimboard et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Et on va préparer cette board ensemble. Donc j'ai fait un skim en fait tout simplement pour m'entraîner au prochain shape qui va arriver très très bientôt. Donc je l'ai appelé Good Idea Bad Execution. Ça représente très très bien cette planche. En fait c'est... de loin ma meilleure planche, mais il reste encore pas mal de défauts. Mais en vrai, on est quand même sur quelque chose qui est déjà pas mal. J'ai tenté de faire un swirl, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est stylé, donc c'est le principal. Au niveau, tu vois, par exemple, des cut laps. Le cut lap, en fait, c'est vraiment l'endroit ici entre la résine du dessous avec la fibre qui vient par-dessus et la fibre du dessus. Donc, on n'est pas sur un truc de pro, mais on est clairement sur un truc qui est pas mal. Ça aurait pu être bien plus dégueu. Je me suis permis aussi de faire un petit truc de shape. Ridicule mes pieds. En fait, j'ai fait le kick, qui est souvent un pad qu'on vient rajouter en plus. Moi, je l'ai mis directement dans le shape. Parce que pourquoi pas, puis ça faisait un peu plus de défi, ça faisait un peu plus de courbe. Donc je vais récupérer le pad de celle-là, parce qu'il n'est pas hyper bien mis, il est un petit peu trop en avant, et puis de toute façon, Nao, elle en a acheté un rouge. Donc je vais récupérer celui-là, on va le coller là. Je l'ai déjà fait et normalement ça marche, sinon j'ai de la néoprène. Et donc voilà, on va faire tout ça, je te pose et puis c'est parti. Bon, c'est clairement un échec d'enlever le pad sans l'abîmer. Ça marche pas. Donc au lieu de faire un truc du ghetto, je vais juste décoller le kick derrière pour faire un petit buté, couper sa propre et puis il n'y aura pas de pad, il y aura juste un kick. Bon, bah c'était pas gagné, mais mission réussie. Je sais pas comment on dirait qu'elle a une petite moustache. C'est rigolo. Oh, moi ça me fait rire en tout cas. Bon, bah on se retrouve à l'eau et j'ai trop hâte d'essayer. En vrai, j'ai du skimboard, je pensais quand j'étais petit et tout, et pff, ça fait trop longtemps, mais là, rien que de remettre de la wax sur un skimboard, tu vois, genre, ouh, plein de souvenirs. Allez, on verra ce que ça donne, si je suis encore faire des trucs ou pas.
C'est parti, on se donne rendez-vous à la plage. Allez. C'est parti. On du skim après, je me chauffe. Ouais, donc j'espère que t'as kiffé la vidéo. Moi je suis trop content d'avoir fait du skim, même si ça fait même si mon niveau il est vraiment très très à chier, on est d'accord, mais ça fait peut-être 10 ou 12 ans que j'en ai pas fait, donc c'est normal. Et puis j'avais les pieds complètement gelés, donc compliqué d'avoir du ressenti, mais en tout cas le skim il tient bien le coup. Il y a quelques petites rayures sur le bottom, hein, mais du classique quoi, c'est un skim, donc voilà. Écoute, dis-moi si tu veux plus d'infos sur le skim, je pense que je vais faire une vidéo récap. Et si t'as des questions à me poser, écoute, pose-les moi en commentaire. Allez, comme d'habitude, si t'as pour me soutenir, un petit pouce, un commentaire. Et abonne-toi si c'est pas fait. Peace out!